Et salut à tous, c'est Redcall, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. On se retrouve pour Star Wars. Donc, on était à Datomir, on est arrivé au temps. Oh, il y a un holocron. Jedi. Pourquoi il y a BD1 sur mon dos? Et on se réveille ici en tant que. Alors là, il y a un clone qui nous. Un clone qui est là. C'est peut-être quelque chose. Salut, Cal. Oh. On fait la revanche plus tard? Ouais, la revanche des sites. Parfait. Tu pars t'entraîner? Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. Salut. Ils sont cool. Regardez, j'ai l'impression que je patine. Genre que. Oh, ça c'est trop mignon. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. Bah. Est-ce qu'on quitte Braca? Possible. Lui fait pas de fausses joies, c'est rien que des rumeurs. T'en fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître. Ouais, il faut que je file. Jaro n'est pas vraiment du genre patient, tu sais. Je sais. T'as l'air bien pressé. Bah ouais. Maître Tapal m'a appelé pour m'entraîner. Vas-y, assure. Wow, trop bien. Trop bien. Maître Tapal? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître. Viens nous rejoindre. Et ne traîne pas. Cet entraînement durera le temps qu'il faudra. Tu finiras par apprendre la leçon du jour, d'une façon ou d'une autre. Ah, ne me fais pas attendre. Ouais, deux secondes, j'arrive. Ah, double saut, pardon. Ah. Wow. C'est un coup bas, commandant. Ouais. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu irais venir ce genre de diversité. Rejoins-moi. Mais viens me tirer. Au pistolet laser. J'ai mal. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial. Il faut... Oh, est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Comment il l'a goûté, le module de sauvetage. Par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné. Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Merci, maître. Allez, va-t'en!
Le voilà, abattez-le. Non, stop. Trop mauvais. Tapal, prends la fuite. Il nous faut des renforts. Je dois tirer ça pour passer. Oh, la musique. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la musique de l'ordre 66. Quel respect. En visuel. Aucune trace du plus jeune. Fouillez partout. Il doit pas être bien loin. L'air s'est encore arrêté. Hé, c'est quoi ce bruit? Monte la garde. Je vais fouiller la zone. Oh merde. C'est foutu. Ah. On entend les tirs des pistolets laser. Des pertes. T'as pas à éliminer plusieurs escouades. Tirez à vue. Bien sûr. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'empereur. C'était quoi? Un truc dans les couloirs de maintenance. Je crois que j'approche du turbolift. Il est pas très loin après ça. Oh, mon Dieu. Tout est lié. Je vais y arriver. Il faut pas que je m'arrête. Descends-le. On s'occupe. Oh. Tu es trop nul, Padawan. Padawan, ton sabre laser. Je suis désolé, maître. Continue à grimper. Je te retrouve en haut. Tu es trop nul, Cal. Mais la musique est parfaite. Oh. Oh. Oh là là, la musique. C'est ouf. Commande manuelle est juste là. On pourra s'échapper que si tu l'actives. Oui, maître. Je vais me faire choper. On a coincé ta balle dans le sac. Envoyez des renforts. Jaro, ta balle est de l'autre côté de cette porte? Ouais, mais il passera pas au travers. Ce serait trop long de découper la porte avec son sabre laser. Attendons là, c'est quoi ça? Attention! Oh! Vite, Padawan! Nous devons partir! Quelle puissance! Oh! Les commandes de la porte! Oh! Ah. Oh. Non. Oh. Là, il est foutu là. Il a pris trop cher. Cal. Cal. J'ai surchargé les réacteurs du vaisseau. L'explosion couvrira notre fuite. Cette guerre n'est pas fini, mon Padawan. Reste à l'écoute. Attends le signal du Conseil Jedi. N'oublie pas. N'accorde ta confiance qu'à la Force. Oui, maître. Oh. Yeah!
anatomie. Kals en train de se faire poutrer par les frères de la nuit et des monstres de la région. Où est-ce qu'on est ? Padawan. Il est l'heure de commencer la leçon. Toujours aussi faible. Tu es faible. Tu manques de discipline. Tu laisses la peur rompre ton lien avec la force. Oh. Oui. Je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse. Tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi. Ah, on s'écrit dans... Plus rien. Plus entrée. M'aider ? Merci. Allons... Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Ça ne s'est pas passé comme prévu ? Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré, et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Daron Malikos. Je vois pas qui c'est. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cet... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force est la plus puissante des alliés. Oula, ça bug. Servir de la force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai? Quelque chose d'horrible. D'Atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Oh, Sœur Mérine, tu ferais mieux de pas tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière! Le pouvoir... Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir
ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entourés de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. C'est ça l'autre chemin. Prithiat, ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler. Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes. C'est le bordel. Ah. Oh, ça m'énerve là, EA là. Putain, ça commence. Mais vraiment. Aide-moi s'il te plaît. Serré, dis à Grise de démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Une sœur de la nuit. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Oh oh oh. Et tu les amènes ici? Capitaine, bah, ouais. C'est le moment de décoller. Ah, sacré bordel avec ce jeu qui lag, vraiment. Je suis pas nul, c'est juste. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Ça lag, c'est n'importe quoi. Sors-nous de là, Gris. Il y en a même qui montent au vaisseau. Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord. Décolle. Dans ce lieu maudit avec ce fragile de cale. Raconte-nous, tu as trouvé le tombeau? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Cinématique qui peut. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait, je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux, et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Cal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé quand j'ai échappé à l'Empire. Ah, on va voir son histoire, elle. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est
c'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Ouais, mais il faut une nouvelle pierre. Tout fabriquer. Quatre. L'ombre du maître. Illume. Ok. C'est une nouvelle planète de glace. Cal, ce ne sera pas facile. Ouais, mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Et après, il y a les Jedi gris. Ils s'en battent les couilles. Lumière aux ténèbres. Ils font... Allez, j'utilise les deux. C'est plus simple. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est ça. Ok, lac brisé. On va aller par là. C'est le temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui, je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin, venez ici. Du temps des Jedi. Bon, ce qu'il faut... Allons par là. Ah, ok, ça repousse. Ça repousse. J'étais pas prêt. Ouais, ça... Il y a bien l'effet du vent qui pousse. Hein. On dirait un passage de ce côté. Je ferai attention à la glace. C'est ça, hein? Bah, c'est trompé. Il va y avoir un truc. Ah là, j'avais pas vu. C'était dans le trou. Mais ouais, c'est vraiment chiant que ça lag comme ça. C'est même pas du fait que ça soit mes composants, parce que j'ai vraiment des composants dernier cri et bon, c'est juste ça. J'ai jamais vu un blizzard pareil. La tempête, le temple. J'ai comme l'impression que tout est lié. Ah, peut-être que tout est lié, hein. Bon, là pour l'instant, c'est la zone tranquille étant donné que. Étant donné qu'il n'y a pas de... Bah j'ai pas de sabre laser. Ah oui, c'est sûr. Thank you.
vrai, c'était vraiment beau avant. Cette chaleur fait du bien. On va aller par là, j'imagine. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Oh, Maître Yoda. Pas avec la force, avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. Ok, donc il y a un truc à faire avec ça. Avec ça. À moins que... Ah oui. Je vais aller voir. Oh, ça va faire fondre cette glace. Ok. Pour grimper, je sais pas si je peux descendre. Je pense pas. Ok. Je viens de tomber bêtement. Ah, c'est un truc Jedi ça. Les maîtres Jedi. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez pas les Jedi de cet ancien temps. Ok, donc il y a un truc à faire. Je suis bizarre, moi, ouais, c'est pas très. Ok, il scanne tout en fait. Ok. Je suis idiot. Regardez. Allez, tu peux le choper. Et comment j'en ressors ? Oh mon dieu. J'ai fait une gaffe quelque part. Je suis bloqué. Calvin, tu es bloqué. On va essayer de casser la matrice. Très chiant, c'est très chiant. C'est... c'est vraiment... C'est agaçant. C'est... Je veux dire, c'est agaçant dans le terme. Genre, ils ont essayé de
de mettre des énigmes et du genre, bah en fait, on peut pas se faciliter. Bah oui. Tu vois où on peut attacher la corde de la fenêtre? Alors je pense qu'il faut commencer par placer le cristal. Pardon. Alors attendez. Ça je veux bien. Mais moi j'ai besoin c'est de me déplacer en fait. Attends, bref. J'ai compris. Fais ça. C'est simple, hein. C'est très simple. Et voilà. Vous voyez, je me suis trop mal pris. Méditer quand même, on sait jamais. Pas besoin de se reposer. Coffre, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on a là? Le sait comme ça. La chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber, il m'appelle. On n'est plus très loin. Le cristal Kyber choisit son Jedi, et pas l'inverse. Ouais. Oui, un peu comme toi. Il y a que les sites qui asservent les cristaux, en fait. Je veux dire les cristaux, quoi. C'est qu'une petite secousse. Ça va aller. Espérons que ça tienne. Ouais, de toute façon, je sens qu'on va pas rester longtemps. Je veux dire, dans cette zone. Allez, on glisse. Hop là. C'est passé près. Son appel s'intensifie. Dépêchons. Ça sert à rien de méditer. Et je peux pas passer par là. Conseil examiné. J'ai l'impression d'être entouré de fantômes. Non. Ça va pas trop. C'est dur d'être ici. Merci, BD. Ah, sacré Jedi. C'est eux. Comment ils nous ont trouvés? Ah, con. Hein. J'ai un peu cassé le jeu, là. J'ai vrai.
Où est-ce que tu l'as perdu de vue? Il se dirigeait vers les grottes. Il criait, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh là là, j'ai vraiment cassé le jeu. Ouais, c'est les impériaux, ça. Après, je pense qu'ils savent, c'est parce que... soit Palpatine, soit Darth Vader, ils sont au courant, je... Le voilà. Ou les Inquisiteurs. Je peux le voir briller. On va vite se dépêcher. Bientôt dehors, je te le promets. Dire qu'on va avoir des impériaux à la fin. Parce que je pense que bah là les droïdes m'ont. Les droïdes de surveillance ont dû me signaler. Médé, t'approches surtout pas. Médé. Ah oui, c'est le gelé. Ah, par contre, je nage plus vite en fait. Non mais, sérieusement. À ce moment-là, genre, tu t'évanouis, genre. Fais ce qui reste. Bien sûr, il se réveille comme ça. Aie confiance. Jeune cale. Moi je comprends, l'eau est gelée, je comprends total. C'est le cristal. Approche-toi de la vérité, Cal. La vérité, tu connaîtras. La voie, tu dois suivre. À faire la Yoda. Le cristal, tu dois. Et confiance en toi. Ah. Oh, non. Est-ce qu'il va faire un petit je le tue? L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ça va, Médé. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Non. L'échec n'est jamais la fin.
C'est une étape inéluctable et nécessaire. Wow. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Wow. Comme toi, BD1. Wow. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras. Comme tu m'as aidé. Oh, c'est triste. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire? Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Tu as ma confiance. Comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. Au revoir. Oh. Mon ami. Tous tes souvenirs. Oh. Tu as failli les perdre. Ah. Ouais, moi aussi je crois en toi, BD. Cette chance. Merde, je voulais boire mon verre. Trouvez votre cristal qui meurt. Oh, trop bien. Celle-là, elle fait un peu rose. Alors, est-ce que je prends violet qui brille? Demande couleur. Ça fait rouge, j'aime pas. On va le faire en violet. On va le faire violet. Fais-nous un nouveau sabre laser. Tu peux le faire. Oh mon dieu, double masse. Oh mon dieu. Oh. Oh non, c'est beaucoup trop classe. Allez, sur ce. Ah, il peut pas les garder, c'est trop dommage. Sur ce, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. C'était vachement grave cool. C'était pour cet épisode. Moi, j'ai bien aimé ce qui s'est passé. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao ciao et merci encore.